Ok, c'est pas fini, regardez. Il en reste. On est le combien? Le 18, 19, je sais plus. Enfin, il en reste. C'est pas encore tout monté, pas encore, pas encore, pas encore. Mais ça progresse, hein. Là, je ressemble de moins en moins à un chauve, hein, franchement. Et donc, il y a une visite de la police aujourd'hui avec un huissier. Je vous montre. Je suis très fier. Ceci est une sommation interpellative avant réquisition de la force publique. 18. Ouais, on est 18. 18 novembre. C'est pas beau. Donc ils veulent savoir, ah, c'est magnifique, hein, de m'indiquer dans quelle date vous comptez libérer les lieux. Et de me faire part de votre situation actuelle. J'aime bien le dialogue avec les institutions publiques. Elles sont les Uber. Voilà. Que dire? Donc moi mon projet en fait là c'est là je suis en train de finir d'isoler le toit, c'est de rendre la maison habitable, remettre l'eau et comme ça et j'ai internet haut débit qui arrive bientôt. Donc là je vais promener mon chien. Donc il y a des travaux à faire. Bon, oui, alors l'huissier, donc il me dit, mais parce que je dis, je crois que c'était vendu. Alors en fait, bah non, c'est toujours l'UDAF, toujours Madame Gorge. Ah bah c'est super ça. Du coup, c'est peut-être la toute première lettre que je leur ai envoyée. Ça leur a peut-être plu en fait, où j'ai proposé une SIC, société d'intérêt collectif, pour faire la permaculture. Et peut-être ça leur a plu en fait. Et puis de toute façon, mon histoire d'arithmétique, dont j'aurais reparlé encore à nouveau de la lettre à Castex, que j'ai donnée au juge en plus. Donc, et voilà. Et en plus, je leur dis, bah ouais, j'arrive même à faire repousser mes cheveux et j'ai retrouvé toute ma santé. Donc, tout à l'heure, les minous, tout à l'heure, quand je reviens. Donc, quoi? Donc, en fait, l'idée. Voilà, dans cette vidéo, on va arrêter de parler des cheveux parce qu'on y croit et on va y arriver. De toute façon, voilà, j'ai tellement de choses à partager. Alors, entre mes recherches, entre ma dernière découverte médicale, alors là, voilà, ça me met une pression de fou parce que c'est des millions de vies humaines pour être. Qui pourrait être sauvé ou enfin amélioré ou voilà prolongé au niveau des millions, des milliards d'hommes qui pourront retrouver leurs cheveux et qui vont retrouver leur santé, les femmes aussi. Donc là, c'est une question de santé publique. Donc, du coup, mon idée c'est de faire une télévision. Donc, j'arrête pas d'y penser, ça se précise. Je commence à en parler, j'en ai parlé à Pile, hein, un petit collègue du Bénin, un petit jeune du Bénin. Parce que là, je me suis fait débloquer de Facebook depuis hier soir, donc ça va repartir. Donc je vais avoir Internet au débit et j'ai un projet de monter une chaîne. Donc le but, c'est de sortir un peu de mon isolement, de mon nombrilisme et de mon ostracisme surtout, quoi. Enfin, le fait d'avoir été ostracisé. Et en fait, trouver une méthode pour communiquer à la fois aux scientifiques, au grand public et à l'État, aux institutions, parce qu'ils rigolent pas, et puis même les caïds et tout ça, même voilà, les gens violents, et leur faire comprendre que, bon, il ne faut pas paniquer. C'est pas parce qu'il va y avoir une grosse révolution, un gros changement, que ça doit partir en génocide ou en guerre. Par contre, c'est vrai que ça en prend la tournure actuellement. Donc, c'est là où il faut se responsabiliser. Allez, on est parti. Se responsabiliser, prendre les choses hein, vraiment au sérieux, mais sans non plus avoir peur d'un progrès éventuel de conditions matérielles et spirituelles. Les enfants. Non?
Donc du coup, qu'est-ce que l'objectif, le projet en fait, c'est avec cette TV là. Donc j'arrête pas de bon, j'ai trouvé un nom, Freestyle TV, c'est pas mal. Je me dis bon, je pourrais trouver autre chose, hein, mais en fait c'est bien. Parce que ça fait fonction spatio-temporelle, ça fait FST, c'est pas mal, ça me plaît, Freestyle TV, puis Freestyle, c'est Freestyle, Freestyle. Donc, voilà. Et après, du coup, quand tu crées une télévision, au lieu de créer juste une chaîne avec un thème, et genre le thème il est imposé à la chaîne, genre tu fais une chaîne d'économie sur la couture ou quoi, voilà, tu fais une télévision, comme ça, une télévision open. En fond un nouveau paradigme. Attends, je ferme. Donc ça sera, c'est un peu une quête. C'est-à-dire quel est le. Tu veux aller où, Caro? On passe par là-bas? Par là? Non, on va là-bas. Allez. Oui, donc, du coup, je peux faire des différentes émissions que je fais moi. Voilà. Et puis, comme c'est une TV, et ben, du coup, je peux carrément laisser, voilà, comme ils font, la Blast, Média et tout. C'est-à-dire, mais je ne veux pas prendre les machins au sérieux, journaliste. En fait, mon défi, ça serait d'arriver de dire, ben voilà, avec mon RSA, mon amateurisme, et puis même, j'y connais. Enfin, voilà, arriver à faire mieux qu'eux, quoi. Que les pros, qui eux ils sont formatés, ils sont dans un conditionnement mental qu'on est tous, hein. De toute façon, bon voilà, c'est le toujours reproduire la reproduction, hein, on reproduit le discours dominant tout en critiquant, et en fait en critiquant le discours dominant, on emploie ces termes, on fait apparaître ces dirigeants. Genre ce matin, hop, tu te réveilles, tu mets le média, donc tu te dis tu vas avoir de la critique sur le système, et en fait ils vont te parler de. Alors c'est d'accord, c'est bien, parler des milliardaires et tout ça, mais enfin de dénoncer, mais le problème c'est que tu focalises sur eux, tu leur fais de la pub finalement, et puis au final tu focalises sur le problème et pas les solutions, et les solutions on les trouve pas. Et en fait on les attend, on attend les solutions du pouvoir et de l'argent, alors qu'en fait. En dénonçant ce qu'on trouve l'argent en plus, alors qu'en fait c'est nous qui les avons les solutions. Et que c'est pas une question de pouvoir ni d'argent, mais de bon sens, d'humanité, d'humanisme et d'intelligence. Quoi. Donc, mais intelligence dans le sens intelligence de la nature, du réel. Du coup voilà, je peux faire différentes émissions. Comme ça dans ma chaîne YouTube c'est TV, puis je fais des catégories tac, donc je peux faire déjà tout ce que j'ai exposé aux scientifiques. Là il y a un boulot monstrueux. C'est toutes mes recherches sur l'espace-temps, quoi, en mathématiques, en philo, donc voilà, en sociaux, en tout, alors, ça fait encore des sous-catégories parce que je peux faire une catégorie émission recherche sur l'espace-temps, et après dans cette catégorie, ça me fait encore des sous-catégories. Merde, il est dans le rouge là, quoi. Qu'est-ce qui se passe? 53, ah ouais, il fait pas plus de 10 minutes. Donc ça va s'arrêter dans 40 secondes. Voilà, donc créer des catégories. Et puis il y en aura certaines. Et donc il y a aussi ma découverte sur les. Donc ces deux-là, elles sont. C'est vraiment les catégories. Et ça va me prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il faut que je sois très sérieux. Et le problème, c'est que moi, comme je suis pas un mec vraiment très sérieux, j'ai envie de faire d'autres choses. La musique, des trucs humoristiques. Et puis l'économie d'énergie. Donc ouais, utiliser mon squat. Tiens, il est là-bas. Il est au fond. Utiliser ma maison. Et comme je. Pour. Discuter des méthodes pour trouver des solutions énergétiques du logement, parce que là c'est vraiment un vrai problème politique, économique, social, écologique et tout, ça va s'arrêter, attention, 2, 1...